si le monument de la musique Patrick Fiori est supposé engager dans une belle relation avec une certaine Charlène, une jeune femme de 27 ans, dans le passé, il était en couple avec Lara Fabian. Mais il lui a brisé le cœur. Cet épisode traumatique, la chanteuse belge, attendue ce soir à la Star Academy pour la grande finale, a évoqué cet épisode traumatique dans son dernier ouvrage intitulé « Tout ». La star évoque cette rencontre avec un « jeune artiste corse », sur le point de s'engager dans une comédie musicale dont tout le monde parle. Elle fait référence à Patrick Fiori dont elle ne cite pas le nom. « J'ai la sensation que mon cœur respire », a confié Lara Fabian, avant de se livrer sur la fin tragique de cette histoire d'amour, qu'elle pensait inscrite pour la vie. Lors d'une émission produite par un des pontes de la télé française qui célèbre la fin de l'année de cette nouvelle ère, il y a une dernière tentative de réparer les pots cassés. En vain. Cela se solde par un scandale public, écrit celle qui est parfois présentée comme la rivale de Céline Dion. Et cette fin d'année, elle a tourné au film d'horreur pour Lara Fabian qui était parvenue à surmonter ce drame, en mettant le cap sur le Canada, où elle s'est installée depuis des années.